السلام عليكم أزول فلاون بون جور Aujourd'hui, nous allons jouer au trouble fête en ce jour de grande fébrilité en Algérie, où tous nos compatriotes, jusqu'à nos chats, nos chiens et nos moustiques, attendent avec impatience le grand match, le match Algérie-Belgique, le match des fenêtres contre les Diables Rouges. Et justement, à propos de Diables, rien de mieux que le recours officiel et rémunéré de notre exorciste national, le très fameux Belahmar, qui vient récemment de réaliser la plus grande décolonisation de l'histoire de Khenchela. Je suis très sérieux, hein, puisque les journaux et les chaînes de télévision algériens ont rapporté, sans rire, que cet homme a vraiment expulsé 1000 djinns, 1000 djounouns juifs de Khenchela. On se demande pourquoi ces pauvres Junoun ont laissé le club des pins pour aller gonfler le nombre des mal logés dans cette pauvre ville de Khenchela, dont les Walis se spécialisent dans les changements de dallage des trottoirs pour faire oublier le milliard de problèmes dont elles souffrent. Belahmar veut dire en arabe « fils du rouge ». Rien de plus indiqué donc de le lâcher contre les Diables Rouges de Belgique. Fallait y penser. Il va en faire une bouchée et on dit même que nous allons réaliser, grâce à lui, le plus grand score du mondial, quelque chose comme 7-0 par exemple. Espérons seulement que le grand anti-djinn n'inversera pas la formule incantatoire. Le problème est que le voyage de ce monsieur, de Sibel Ahmar, Laïstarna, Aléodidor Elena, le voyage de Belahmar relève du secret d'État. Nous avons tenté de joindre toutes nos sources, les plus sérieuses, au sein du staff de l'équipe nationale, motus et bouche cousue, comme si nous parlions d'un arsenal nucléaire que l'Algérie cacherait au reste du monde. Personne ne veut parler du voyage de Belahmar à Belo Horizonte. Je ne plaisante pas, c'est vraiment un secret d'État. Mais on nous a confié, en chuchotant, que l'État algérien a payé le voyage au Brésil pour Belahmar en première classe, installé dans un grand palace, dans une suite, avec des gages conséquents s'il fait passer l'équipe au second tour. Rien que de plus normal, nous chuchotant encore, c'est une pratique tout à fait anodine au sein des plus hauts sommets de l'État. Ce n'est un secret pour personne, où ce genre de sahar est sollicité à tout bout de champ, y compris par le président de la République lui-même, dont on dit qu'il est accro aux exorcistes multicolores, Belahmar, Belakhdar, Belasfar. Notre équipe va donc jouer aujourd'hui.
Nos villes et nos villages vont se vider de leur population le temps du match. Après cela, ça dépend. Si nous gagnons, ce sera la fête au village, avec pétards, youyou, vociférations de victoire, klaxons et fête de l'indépendance bis repetita. Si nous perdons, le régime pourra se faire du souci, comme à l'habitude, comme à chaque fois que l'équipe nationale perd un match, puisque les Algériens ne manifestent jamais, sauf quand les Verts perdent. Alors là, tout devient possible, y compris des émeutes et des jacqueries, des dévastations et des saccages. Mais cinq dans l'œil du diable rouge. Je dis ça pour que ma mère, fervente supportrice d'Al-Khadra, ne pense pas que je manque de patriotisme. Avec nous pour parler de notre équipe nationale, composée majoritairement de binationaux, 16 joueurs sur 23, soit 70%, ce qui montre à l'évidence que notre système n'est pas capable de former des joueurs de football comme il est incapable de former quoi que ce soit par ailleurs, si ce n'est un pays Potemkin. Mais s'il n'y avait que ça, nous avons dû aussi importer l'entraîneur, des assistants et un nombre impressionnant de spécialistes du staff technique et sanitaire. C'est dire, voilà donc une équipe nationale pour faire vibrer les foules qui n'est pas moins un juteux fonds de commerce pour un banc de requins et une faune de charognards en tout genre, une équipe qui sert à endormir les foules pendant que les uns et les autres y ont planté leur croc de vampire. Avec nous pour en parler, Omar Betrouni, un ancien joueur international, quand le football avait une toute autre classe, quand l'équipe nationale portait très haut les couleurs algériennes, juste pour l'honneur, par des sportifs formés chez nous, par nous, avec des moyens dérisoires, souvent sans moyens du tout, puisqu'ils n'étaient même pas rémunérés, ou si peu. Des footballeurs dont nombreux ont refusé d'aller jouer dans des équipes professionnelles qui auraient pu changer leur vie. Ils sont restés en Algérie pour l'honneur. Et avec nous, Aboud Hicham aussi, journaliste et fin connaisseur du football, mais aussi et surtout de ses arcanes, de ses sombres officines. Nous n'aurons pas suffisamment de temps pour en parler en profondeur, mais nos invités tenteront de nous en dire le plus qu'ils pourront. Aboud Hicham, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, surtout que vous me donnez le plaisir d'avoir à l'antenne Omar Betrouni, notre héros national, un joueur que j'ai eu le plaisir et l'honneur de connaître ses débuts contre le CR Temouchent, quand le Mouloudia jouait en Division 2 en 1967. Et Betrouni, ce jour-là, avait brillé et depuis, il s'est illustré. Et sans oublier que Betrouni Omar est l'auteur des deux premiers titres internationaux algériens. Nous lui devons la médaille d'or des Jeux Olympiques, des Jeux Méditerranéens en 1975 et nous lui devons le titre de champion d'Afrique des clubs champions avec le Mouloudia d'Alger contre le Hafia Conakry lorsqu'il marquait deux buts alors que tout le monde désespérait de voir le Mouloudia l'emporter. Voilà, merci Jamaldine. Merci Hicham. Justement, on essaie de le joindre et il y a un problème avec son téléphone. En attendant, je vais présenter le top 3 d'aujourd'hui. Le Parisien. Vidéo mondiale 2014, Algérie-Belgique. Yes, we can, clame Ali Lozdik. Ensuite, Le Monde. Groupe H, les Belges en fanfare, l'Algérie en catimini. Et enfin, Eurosport. Mondial 2014, Belgique-Algérie, le match qui peut faire émerger un outsider. Donc, Hicham, nous sommes toujours en train d'essayer d'obtenir, de joindre Omar. Mais en attendant, que vous inspire cette rencontre, non pas de pronostic ni d'évaluation technique, mais d'une façon générale sur cet usage qui est fait de cette curieuse équipe nationale? Bon, que m'inspire une rencontre pareille? La première des choses, comme tout Algérien qui a suivi les péripéties du football algérien depuis très longtemps, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous vibrons pour cette équipe comme nous avons vibré pour celle de 75, celle de 78 qui avait remporté la médaille d'or des Jeux africains au terme d'une finale remportée par l'Algérie contre le Nigeria, un but à zéro, but inscrit par Ali Béchir, autre virtuose du football algérien.
on vibrait pas comme c'était en 82, en 86, où l'équipe algérienne brillait par des éléments purs produits du football algérien. Les Assad, Belloumi, Majer de 82-86, ou les Botroni, Benkada, Hedfi de 78, ou les Bachi, Botroni, Zenir et j'en passe, qui ont remporté la première Coupe d'Afrique des clubs champions, sont tous issus de l'école algérienne. Cette école, aujourd'hui, elle ne produit plus de footballeurs. Tout à l'heure, vous disiez, mon ami Jamaldine, que 16 footballeurs algériens sur 23 hein, de cette équipe nationale sont des binationaux. Mais n'oublie pas aussi que 21 joueurs sur les 23 n'évoluent pas dans le championnat d'Algérie. Et les deux qui évoluent dans le championnat d'Algérie et qui font partie des 23 sont des remplaçants. Ce sont deux gardiens de but parce qu'on n'a pas pu avoir un autre gardien de but que Mboulhi. Alors, ce Mboulhi qui a connu l'Algérie qu'à travers les stades. Et la première fois où il a pris connaissance avec l'Algérie, c'était en Afrique du Sud. Rappelons-nous qu'en 2010, 7 joueurs n'avaient jamais mis les pieds en Algérie et ils n'ont connu l'Algérie qu'à partir de l'Afrique du Sud. C'est vous dire que cette équipe algérienne, elle n'a que le nom. Et n'oublions pas que cette équipe d'Algérie qui se déplace à l'étranger, ces joueurs, quand ils arrivent en groupe, comme ça a été le cas dernièrement en Suisse, on annonçait l'arrivée de l'équipe nationale d'Algérie. Et un ami policier qui travaillait à la police des frontières suisses me disait, il était étonné de les voir tous sortir un passeport français. Et il disait, où est passée l'équipe algérienne? On lui a dit, mais elle vient de passer à l'instant. Voyez-vous, c'est une équipe d'Algérie qui doit beaucoup à la France pour avoir donné naissance et avoir produit ces footballeurs qui vont dépendre des couleurs algériennes. Et nous n'avons aucun mérite, quel que soit le résultat. Mais Hicham, c'est quand même incroyable parce que, d'abord, nous ne dénions pas à ces joueurs d'être des compatriotes. Loin de nous, cette idée. Ce sont des Algériens à part entière. Mais le problème, moi, que je voudrais... Nous leur sommes redevables. Oui. Sans eux, nous ne serions pas en Coupe du Monde. Et sans la France, nous ne serions pas en Coupe du Monde. Nous leur sommes reconnaissants parce que nous n'avons rien produit. Mais c'est terrible. Moi, ce que je ne comprends pas... on aurait eu 2 joueurs, 4 joueurs sur l'ensemble, on aurait dit, bon, c'est normal, il y a un corps qui a été formé, un fondement de l'équipe nationale, et il y a des petits apports pour enrichir. Mais le problème, c'est que 70% de l'équipe provient... 90, parce que, excusez-moi, parce que les Soudani, Slimani, Halish, qui ont joué dans le championnat d'Algérie, ne doivent leur place aujourd'hui au sein de cette équipe que parce qu'ils se sont perfectionnés en Europe. Oui. Ils ne jouent pas dans le championnat d'Algérie. Donc, plus de 70, 90%, pratiquement 100%, puisque sur les 23, j'ai dit, il y a 21 qui évoluent dans le championnat étranger. Oh là là. Alors, justement, Batroni et Omar viennent de nous rejoindre. Omar, merci de nous avoir rejoints. Allô? Allô, Ala Omar, merci d'être avec nous. Oui, je suis là. Voilà, il y a Aboud Hichem qui était là. On parlait de cette curieuse équipe nationale dont 16 membres sur les 23 ont la double nationalité, ont été formés ailleurs qu'en Algérie. Bien souvent, ne connaissent même pas l'Algérie, ne parlent pas sa langue. On ne dénie pas leur nationalité. Loin de là, ce sont des compatriotes à part entière. Mais ça montre toute l'étendue des dégâts d'un régime qui ne sait même pas, qui ne sait même plus laisser les gens se former eux-mêmes. Avant vous, de votre temps, les joueurs se sont formés presque tout seuls dans les rues du quartier. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de cette curieuse situation ? Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Je passe le bonjour à Hicham, à Aboud. Il vous écoute. Ce que vous êtes en train de nous dire, ça c'est une autre politique qui a été transformée par la nouvelle génération
de la nouvelle génération des gens qui sont en train de s'occuper du football. Ça, c'est une nouvelle génération. Et cette génération, ils ont opté pour le business. Ils ont opté carrément pour le business. Et puis, c'est une mafia qui s'est transformée. Moi, je crois que cette politique, elle n'est pas bonne pour notre pays et pour notre football. Parce que si aujourd'hui nous avons presque 90% de joueurs de l'étranger, donc je ne sais pas ce qu'on va faire avec nos joueurs en Algérie. Voilà, c'est ma pensée. Omar. Et je regrette que notre football est tombé aussi bas à cause des gens qui ne voient pas l'intérêt de l'Algérie et l'intérêt du joueur algérien. Mais Omar Batrouli, Omar, est-ce que vous m'entendez, Omar? On est en train de faire de l'importation. Omar, est-ce que vous m'entendez, Omar? Omar, le problème, nous on savait qu'ils nous importaient ce qu'on mangeait, ils nous importaient ce qu'on porte sur soi, ils nous importent le matériel avec quoi ils construisent nos maisons, avec quoi ils font nos routes, ils importent nos voitures, ils importent tout. Même le pain, si on le décortique un peu, ils nous l'importent en fait. Mais nous importer des joueurs de football pour représenter les couleurs nationales, là, et personne ne s'en rend compte, en fait. Parmi nos supporters, parmi nos foules qui sont carrément pamoisants devant cette équipe, personne ne se rend compte qu'ils ont tout importé, y compris le staff technique, y compris l'entraîneur, tout. Oui, j'ai compris. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, il y a des entraîneurs, quand on ramène des entraîneurs étrangers, pour moi, si on emmène des entraîneurs étrangers, c'est pour élever le niveau des joueurs au niveau d'Alger. Moi, je crois que c'est comme ça. Exactement. Ma pensée, ça a été comme ça. Aujourd'hui, on ramène n'importe qui comme entraîneur, je ne sais pas, on fait n'importe quoi et on ne voit pas que notre football est notre sport. Hein. Il n'y a pas que le football, même dans d'autres disciplines. Je crois que là, on ne se rend pas compte qu'on est en train de détruire complètement le sport en Algérie et le football en Algérie. Là, on avait mis le haut là, au départ, on avait mis le haut là, quand il y avait la première Coupe du Monde en 82 à Gijón, quand on a été à Gijón, on s'est dit peut-être que ça y est, les responsables vont réfléchir et vont commencer à construire des écoles de football pour nos jeunes, parce que vous savez très très bien qu'on a plein de talents, des petits jeunes, et qui n'ont pas où se produire, ils n'ont pas où aller, pour se former. On a attendu, il n'y a eu rien du tout. Ensuite, il y a eu la deuxième Coupe du Monde en 86. Nous avons attendu aussi, il n'y a rien eu. La troisième, en Afrique du Sud, également. Et là, maintenant, la quatrième, moi je ne sais pas pourquoi, on va aux Coupes du Monde et on n'est pas représenté par des joueurs algériens. Voilà, restez avec nous, Omar. Rien compris. Ou alors il y a des gens qui ne veulent pas que le football en Algérie... qu'il y ait des footballeurs en Algérie, ou alors je ne sais pas, moi je n'ai rien compris jusqu'à ce jour. Restez avec nous, Omar. Hicham, si on parlait un peu de ce côté corruption dont vous aviez parlé à un certain moment sur votre journal avant qu'il ne soit fermé.
D'abord, avant de parler de ce sujet, bon, puisque tout à l'heure Omar ne m'entendait pas, je profite de l'occasion pour le saluer et dire que moi j'ai toujours été un fan de Omar. J'ai aimé le football à travers Omar Btrouni et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu le plaisir, l'honneur de suivre ses débuts contre le Sept Motion jusqu'à la fin de sa carrière. Je dois dire, parce que vous aviez dit tout à l'heure qu'on nous importe tout, maintenant y compris les joueurs. Il faudrait se rappeler qu'en 82-86, l'équipe nationale non seulement avait produit ses joueurs, là j'ai produit ses propres joueurs, mais nous avons joué avec un équipement algérien, Sonitex. Nous sommes la seule équipe au monde à avoir participé au mondial avec un équipement sportif à 100% algérien. Et on C'est tout. exportait des joueurs. On Et on exportait exportait des des joueurs joueurs. et on exportait aussi nos produits. Voilà ce qu'on faisait. On avait exporté Bassad, Majer, Guendouz, Bensaoula et Batrouni. On aurait pu l'exporter, sauf qu'à l'époque, Boumdine Lahirahmou, il disait que Batrouni, c'était un patrimoine national qui ne sera pas Exactement, détruit pas. exactement. Et l'AC Milan, en 72, lors de l'inauguration du stade du 5 juillet, Riviera, qui est une virtuose du football italien, supplier son club pour qu'il recrute Batrouni. Mais il y avait un veto de Houari Boumdine en personne, Lahirahmou. Et ça, c'est la même chose pour Ali Benchir, quand il allait signer au FC Nantes, et il a été ramené manu militari en Algérie, et on lui a dit, toi, tu n'es pas exportable. Voilà ce qu'on produisait. Patrimoine. Voilà. Donc maintenant, cette parenthèse fermée, je reviens au sujet de la corruption. Vous savez, la corruption est aujourd'hui érigée en système. C'est un système de gouvernance, c'est un système de gestion, c'est un système de mode de vie. Aujourd'hui, quand moi je prends juste un exemple de l'Olympique de Marseille qui avait remporté la première Coupe d'Europe des clubs champions de l'histoire contemporaine. Cette équipe, dès qu'il y a eu une petite affaire de corruption pour un match de rien du tout, c'est juste pour épargner les joueurs du club de Marseille de blessures, eh bien cette équipe a rétrogradé, son président a été en prison et ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. En Algérie, des gens viennent à la télévision, dans les journaux, des présidents, des gens disent. J'ai acheté tel match, mon président a acheté tel match, nous avons donné tel truc. Il n'y a pas la moindre information judiciaire ouverte. Je ne parle pas d'enquête, parle d'information judiciaire, ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a pas la moindre réaction des pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que ces pouvoirs publics eux-mêmes tiennent le pays par la corruption. Quand on voit que la campagne présidentielle du 17 avril a été axée sur la corruption, on a habitué le peuple à le corrompre. Qu'est-ce qu'on y a dans une campagne électorale? Au lieu de parler de programme, on parle de promesses, promesses. On vous donnera ceci, on vous donnera cela. C'est-à-dire qu'on va vous corrompre. En C'est à fait, celui qui le corrompt le plus régime, le peuple qui aura droit au pouvoir. Hicham, en fait, le régime a ouvert un grand boulevard pour d'affairisme, de traficotage en tout genre, pour les grands patrons du football, tout le monde, ceux dont que vous avez dénoncé dans votre journal. En fait, c'est pour drainer les foules de supporters vers les bureaux de vote, si j'ai bien compris. Vous savez, Omar Tony vient de le dire à l'instant, on a opté pour le business. Les gens ont fait du football un business. Si au moins c'était un business propre comme il l'est en Europe, parce qu'il y a du business en Europe. Mais nous, on ne fait pas ça. Nous, le business, c'est la corruption. Business est devenu. Vous savez, le business, c'est Oui, énorme en c'est Europe. En synonyme de Algérie, non. corruption. Quand tu dis à quelqu'un qui fait du business, ça veut Business. dire qu'il est dans la corruption, qu'il fait dans quelque chose de malsain. Oui. Et aujourd'hui, quand on voit que le président de l'équipe de la Fédération algérienne de football recrute des joueurs et va parler aux joueurs en termes d'argent, pour motiver, on leur parle d'argent. Or, moi je dis, Petroni est là pour témoigner. Oh, quand le Mouloudia avait remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions, ils n'ont rien eu. Quand ils ont remporté la médaille d'or des Jeux africains, qui était à l'époque un titre qui vaut son pesant d'or, ils ont eu des, je ne sais, un frigidaire ou un téléviseur. Et aux Jeux méditerranéens, ils ont obtenu 2000 dinars dans le livret d'épargne. On ne leur a jamais parlé d'argent. On leur a parlé
de drapeau. Autre temps, autre mœurs. Restez avec nous, Hicham Aboud. Omar Batrouni, vous avez entendu parler de cette histoire de ce fameux Blahmar qui aurait été envoyé en VIP, Very Important Person, en secret. Il semble que, si ça se confirme, que c'est le secret le plus total qu'il aurait été logé dans un palace brésilien et qu'il aurait été envoyé là-bas pour faire passer l'Algérie au deuxième tour. Vous avez entendu parler de ça? Non. Écoutez, on s'en fout. Moi, je m'en fous de ça. Ça, c'est de la rigolade. C'est un imam de Stawali qui a été dépêché avec l'équipe et tout, avec le staff de l'Algérie. On soutient à Blahmar. Moi, ce que je voudrais vous dire. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Vous savez, il y a eu une mafia qui a été organisée et qu'ils ont trouvé un moyen. Pour s'enrichir, c'est le professionnalisme. Alors ils mettent la charrue avant les bœufs. Oui. Le professionnalisme savait très bien, on leur a dit, et j'ai discuté avec le premier ministre qui a voulu lancer ça, je lui ai dit que vous allez droit vers le mur. On ne peut pas faire de professionnalisme si on n'a pas un cahier de charges. Il faut avoir les infrastructures. Pour le professionnalisme. C'est ce qu'on avait dit. Alors donc, ils ont voulu essayer avec une complicité de certains. Et voilà, aujourd'hui, nous retrouvons. La Fédération algérienne de football a complètement détruit le football en Algérie. Elle a détruit le championnat en Algérie. Il n'a plus de niveau. Et c'est pour cela que nous n'avons plus de joueurs. Et il n'y a plus de joueurs. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple frappant. Aujourd'hui, il y a un entraîneur qui vient. Il dégage 8 joueurs d'un club d'un seul coup. Il ramène ses joueurs. Et puis il y a les 6 joueurs. Aujourd'hui, vous allez rire, si je veux dire. Alors les 6 joueurs, ils sont encore sous contrat. Ils se ramènent au stade. Alors il y a le groupe de l'entraîneur qui s'entendent et les autres ils s'entraînent tout seuls. Il leur a dit j'en veux pas de ces joueurs et ces joueurs ils ont un problème, ils sont sous contrat. Alors comment qu'ils doivent faire? Hallucinant. Mais sinon Omar, au sujet de ces barons, ou plutôt de ces maquignons du football algérien, pourquoi sont-ils aussi proches de la présidence de la République? Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est une mafia, c'est un groupe, c'est une mafia qui a été formée, qui se sont formés il y a exactement 56 ans, ils se sont formés. Et il y a un maître en haut qui donne des ordres. Et le football, ils sont tous à sa merci. Les présidents, ils sont tous à sa merci. Aujourd'hui, quand vous allez à l'Assemblée de la Fédération, vous ne trouvez aucun ancien joueur. Ça, alors moi, je commence à rire. Est-ce que c'est possible de trouver aucun joueur? Donc, il a mis des gens qui sont à ses pieds. Aujourd'hui, quand par exemple, une loi. Une loi, alors ils sont tous à ses pieds, tous ils lèvent le doigt, et c'est parti. Voilà comment que ça se passe dans le football algérien. Voilà. Vous avez une idée du nombre de personnes qui ont accompagné l'équipe nationale au Brésil? Enfin, vous savez, qui est-ce qui part en équipe nationale? Vous le savez très bien quand même. C'est les fils de Flan, c'est les...
les présidents de club, c'est les amis, c'est les oncles, c'est les trucs qu'ils ont des affaires entre eux. C'est la grande bourgeoisie, quoi. Voilà, Rio n'a qu'à bien se tenir. C'est ces gens-là qui vont au Brésil, et ils ne vont pas au Brésil pour voir le football. Ils vont au Brésil pour se pavaner, c'est pour aller dans les plages et faire la etc. faire la Nuba Copacabana Palace. Un bout d'échem. Vous pensez qu'on va pouvoir aller longtemps comme ça dans ces conditions, dans tout, jusqu'au football? Ça veut dire qu'il y a une telle déglingade que même le football, maintenant on ne peut plus avoir de jeunes gars de chez nous qui s'entraînent chez nous, qui représentent nos couleurs, qui parlent notre langue, qui vivent avec nous. Ça, on va aller comment comme ça? Loin? Ça va continuer longtemps? Donc ce système continue, ça va continuer. Tant qu'on ne fait rien pour changer les choses, comment voulez-vous que ça change? On va de mal en pis. Vous imaginez-vous qu'une icône du football comme Omar Bouterouni, comme Salah Assad, comme Rabah Majer, comme Guendouz, ces gens ne font même pas partie de l'Assemblée Générale de la FAF, la Fédération Française de Football. Trouvez-vous cela normal? Ah, ils vont déranger s'ils les mettent. Oui, mais c'est ça. L'eau et le feu c'est-à-dire ne peuvent pas cohabiter. Des gens honnêtes ne peuvent pas cohabiter avec une mafia, ce n'est pas possible. D'abord, pour une histoire toute simple, Omar Bouterouni n'a pas la même mentalité que ceux qui évoluent dans le giron de Rawa Rawa. Autant Omar Bouterouni faisait vibrer les foules, Mohamed Rawa Rawa n'avait rien à voir avec le football. Il n'avait rien à voir ni de près ni de loin. Il était un simple supporter de l'USM Alger. Et quand il voyait l'autre virtuose du football algérien, Tahir Hassan, qui évolue au Mondial d'Alger, quand il le voyait passer par le cinéma de Mougane, il l'appelait pour l'inviter à lui donner un ticket gratos pour voir un film. Voilà quelle était sa relation avec le football. Trouvez-vous normal qu'aujourd'hui, des techniciens comme Benchira, comme Aïdjoudi, comme Ali Belghani, n'ont pas leur place dans le football algérien, comme Guendouz, il n'a pas sa place dans le football algérien. Omar Bouterouni est complètement éloigné du football algérien. Et il parle de projets de professionnalisation très sérieuse du football algérien. On ne peut pas faire de professionnalisation quand on paye des joueurs avec un sachet de plastique bourré de billets de banque déchirés, scotchés. Voilà ce que c'est que le football algérien. Un dernier mot avant de nous quitter. Bon, le dernier mot, c'est que moi, j'exprime l'espoir, non pas de voir cette équipe gagner parce que ça n'apportera rien au football algérien. J'aimerais bien, pour le prestige de l'Algérie, on aimerait bien que cette équipe gagne, mais elle n'apportera rien. Au contraire, elle va encore nous engluer dans nos problèmes et ce sera toujours la fuite vers l'avant. Moi, mon souhait le plus ardent, c'est de voir ces hommes qui ont donné à l'Algérie, au football algérien, ces lettres de noblesse. C'est Bachi, Bouterouni, Zenir, Benchir, Iboud et tant d'autres, Majer, Guendouz, Salah, Assad et tant d'autres. C'est de les voir prendre en charge le football algérien et lui inculquer leur propre esprit, inculquer à cette nouvelle génération leur propre esprit et donner à l'Algérie ce dont elle a besoin parce qu'eux, ils sont riches en expérience, ils sont riches dans le cœur. Omar Bouterouni a joué gratuitement pour l'Algérie, il a donné gratuitement, il va continuer à donner gratuitement, mais bon, il faudrait qu'aujourd'hui, lui et ses collègues puissent aussi tirer bénéfice. Quand je vois que Zinedine Zidane, qui n'a rien donné à l'Algérie, a eu la médaille de l'ordre du mérite national des mains de Bouteflika, alors que Bouterouni, qui nous a ramené le premier titre international, puis le deuxième titre international, qui a brillé en dehors des stades algériens, ils n'ont jamais eu de reconnaissance de la part de l'État algérien. Hicham Aboud, merci beaucoup. En espérant vous revoir bientôt sur cette chaîne. Omar Bouterouni, avant de vous donner le dernier mot,
Je vais vous donner une petite nouvelle. La mairie de, je n'aimerais pas me tromper, hein, de Nantes, je crois, en tout cas une mairie française vient de prendre une mesure sécuritaire. Ils viennent de diffuser un communiqué dans lequel ils disent prendre des dispositions très sérieuses pour protéger le centre-ville, l'interdire à la circulation. Ils ont déployé des effectifs policiers, etc., en prévision du match Algérie-Belgique, c'est vous dire. Sinon, je vous laisse dire ce que vous avez envie de dire. Ils viennent de prendre des dispositions. Roubaix, hein, c'est Roubaix, voilà, Roubaix. Ah, Roubaix. Oui. vous avez vu, on est mal vu partout, hein, de toutes les façons, parce que, écoutez, le sport, le football, je crois que c'est vrai, on peut s'exprimer autrement, on peut crier, on peut chanter, on peut, mais pas quand même. Moi, je suis désolé pour casser des voitures, pour sortir faire les fous et tout là. Moi, on est désolé, vraiment, on est désolé. Voilà. Merci. Oui, Omar, je vous écoute. Sinon, quels sont vos souhaits pour cette Coupe du Monde? Enfin, moi, je dirais pour cette Coupe du Monde, moi, je souhaiterais quand même, c'est vrai, je souhaiterais que, bon, malgré ça, on souhaiterait que notre équipe nationale fasse un bon parcours. Et voilà, c'est tout ce que, sinon, tout est à revoir dans notre football, tout est à revoir. Vous savez, quand on voit des anciens joueurs en Europe et au Maghreb et en Amérique du Sud, quand on voit des anciens joueurs entraîner des clubs, s'occuper des clubs, être des managers, c'est des anciens. Nous, ça nous fait mal au cœur quand on voit ici, en Algérie, des managers qui marchand de poissons, un entraîneur marchand de légumes. Ça nous fait mal au cœur, vraiment, ça nous fait mal au cœur. Et on se demande où va notre football. Merci, voilà. Omar Betrouni, en espérant que le football algérien saura s'entourer de gens de votre valeur qui lui ont tant donné. Vous et ceux qui vous ont accompagné. Je ne veux pas vous quitter avant de vous présenter la photo de Youssef Wildbaba, Wildedda en vérité, qui a été condamné à 2 ans de prison pour avoir filmé des policiers voleurs. On l'a condamné à 2 ans de prison ferme. Et nous reviendrons souvent pour vous montrer cette photo tant qu'il sera en prison. Sinon, cette émission est maintenant terminée. Nous allons la quitter au son de la musique de Yeloulet de Rohela. Merci, salam alaikum, Mazul Fellaoun, à demain.